Salut à tous, c'est Kiwi, on retrouve Preston Marlowe pour le 9ème épisode de Battlefield Bad Company 2. Les petits amis, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et mettez un petit commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines aventures. Et on va donc lancer la mission Sangre del Toro, ou est-ce qu'on la prononce Sangre del Toro? Je ne sais pas et on s'en fiche. Je vous le répète, on ne sait pas s'il est mort. J'espère que c'est le cas. Sinon... Sinon quoi? Parlez-nous plutôt de ce navire. Le Sangre des Taureaux était un cargo panaméen. Il a disparu en 49 près des côtes du Pérou. Et vous savez pas ce qu'il transportait, ni comment il a fini dans le désert, ni pourquoi il s'y intéresse? Non, c'est vrai. Mais s'il le veut, alors on le veut aussi. Bonne chance. Hé hey, je crois que j'ai une solution. Ouais, compris. Regarde. Ouh, headshot baby. Oh, ce très beau tir. Magnifique. Magnifique. Alors, le petit blondinet, on est en galère ou pas? On est en panique? Terminus, tout le monde descend. Je vais pas plus loin. Salut l'ami. Et merci encore pour le voyage. On va la rattraper. Est-ce qu'on lui roule dessus? Est-ce qu'on l'en... Ouais. C'est bon ça. Ils utilisent ces imageurs pour localiser le Sangre des Taureaux. Je comprends toujours pas pourquoi Kirilenko cherche ce vieux cargo. Y'a quoi par là-bas? Ghost Rider, ici Bravo 2-2. Vois si tu trouves quelque chose sur la fréquence 0-1-1 Alpha. Ok, ouais, j'ai 3 signaux. Et si je vais par là-bas, il y a quoi? On va sortir de la zone. On va sortir de la zone. Non, ça c'est pas cool. J'aurais bien voulu voir ce qu'il y avait dans le bateau là-bas. Tiens, on va te rerouler dessus toi. Allez, hop là, salut. Salut l'ami. Alors. On va d'abord partir par là pour voir ce qu'il y a. Apparemment, il y a trois zones. Bon, pas de soldats. Ne déconnez pas. Sinon, je vais vous bombarder bien comme il faut. Et j'aime beaucoup cette petite liberté qu'il y a dans ce genre de jeu là. Ok. Oh, ça fait un peu peur ça, oh. C'est la malédiction du désert. La malédiction de la momie. Oh, je vois rien. Je vois strictement rien. Je vois strictement rien. Laissez-moi me barrer. Laissez-moi juste récupérer mon souffle. Alors, attendez, c'était quoi cette visibilité là? Ouais, je l'ai eu, mais j'ai galéré, hein. J'ai galéré. Mettez-vous à couvert. J'ai que ça comme arme, là. À terre, les amis, à terre. Attendez, mais ça canarde par où? Ah, il faut escalader encore un petit peu. Ok, je vois rien. Il y a trop de sable qui vole. Je vois rien. Il y a que les cadavres des mecs, là. Y'a que les cadavres des mecs sur leur chemin là. Sur les chemins de mes potes. Oh, je t'ai pas vu. C'est moi ou ils ont une bien meilleure vue que nous là? Calmons-nous. Waouh. Allez, dépêche-toi, l'ami, dépêche-toi.
Putain, comment je ne vois rien du tout. Y'a pas moyen de choper autre chose qu'un lance-roquette là? Genre un sniper, non, ça va nous servir à rien. Ça va nous servir à rien. Un petit flingue de base. C'est bien ça, non? J'aime bien les petits flingues. On peut essayer. J'ai envie d'essayer le flingue de base. On va voir ce que ça vaut. Ok, sniper. Wow, le rocket. Alors, le flingue de base, là, il va nous servir à rien. Aïe, aïe, j'ai pris cher, là. J'ai pris cher. Où est-ce qu'il est, le mec? Où est-ce qu'il est, le mec, là? Oh, il était là? Il était... Il était juste là? Non, c'était pas lui. C'était pas lui. Je ne le vois pas. Ça tire, là, ça tire, là. Avance, 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 l'ami, avance. Voilà, sans sable, là, tout de suite, c'est mieux. Hein. Tout de suite, là, c'est bien mieux. Tiens, ça t'apprendra. Par contre, toi, je ne t'ai pas vu. Oh, le lance-roquette là-haut là. Wow. Je vais crever. Je vais crever. Je crois que je l'ai vu que trop tard. Faudrait pas progresser alors qu'on a un mec sur la colline derrière nous, parce que je pense qu'il va se retourner et nous défoncer. Donc il faudrait pas faire les foufous là. Faudrait éviter de faire les foufous. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. On va pas garder cette arme là. Attendez, attendez. Le lance-roquette, franchement, j'hésite. Hein. J'hésite, j'hésite, j'hésite. Genre, on peut prendre ça, un truc comme ça. Ah, je le vois pas, le mec, je le vois pas, c'est fou ça. Je ne le vois pas. C'était pas lui, hein. C'était tendu, hein. C'était Tandax. Vas-y, progresse, progresse, l'ami. Bon, c'est peut-être pas une bonne arme, ça. Comme il a volé, lui. Pour faire du semi-contact, là, c'est peut-être pas une bonne arme. Enfin, c'est pas du semi-contact, mais... vous m'avez compris, quoi. Pour faire de la semi-distance, c'est un peu moyen. Waouh! Faut qu'on se replie! Faut qu'on se replie de quoi? Les gars, progressez et tuez-moi tous ces connards là! On se replie que lorsqu'on a envie de récupérer son souffle. C'est tout. Sinon, on ne se replie pas. C'était quoi ça?
Ok, toi là-bas, je t'ai vu. Il y a quoi par terre là? Tu peux prendre ça? Ouais, ouais, ouais. Ouais, je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. J'ai pas envie de crever ici. Hélico ennemi. Renfort ennemi sur la plateforme là-haut. Butez-les. Je te couvre. Occupe-toi des hélicos, compris? Je me suis fait déglinguer par l'hélico. Attendez, c'est quoi ces conneries? Il faut que je garde mon lance-roquette. Faut que je garde mon lance-roquette, absolument. C'est pas possible. Je ne peux pas... Et je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus, ok. Je suis deg. Est-ce que je peux aller le récupérer? Je vais le récupérer parce que là, ça va chier sinon. C'est pas que cette arme ne me plaît pas, hein, mais... Pour avancer ici, c'est un peu tendu. Les mecs, ils ont un positionnement qui, du coup, est favorable. Et moi, je suis complètement en contrebas. Et je suis un petit lapin, hein, une cible facile. Une cible offerte, hein, sur un plateau. Oh, on peut pas remonter. On peut pas. J'ai fait tout ça pour rien. Comment je vais descendre cet hélico? Comment je vais faire? Allez, allez, la mission elle va durer 40 minutes. On était sur une mission de 10 minutes hein, dans la précédente. Et là, bah, du coup, ça va compenser. Genre même 50 minutes quoi. Alors. Oui, et ben, écoute, récupère ton souffle aussi, Marlo. Va pas encore te faire buter comme une merde. Pourquoi ça tire des grenades là? Vas-y, sors ta tête toi. Sors ta tête de lâche là. Sors ta vieille tête de lâche là-bas aussi là, voilà. Oh le sniper, tu crois que je t'ai pas vu? C'est quoi? Hélico ennemi! Boum! Boum! Renfort ennemi sur la plateforme là-haut! Butez-les! Il en faut plus! Je te couvre! Occupe-toi des hélicos, compris? Je fais ce que je peux! Je fais ce que je peux l'ami. Où est-ce qu'il est l'autre? Oh, je l'ai raté. C'est quoi ça? Waouh. Vite. Je vais te défoncer toi. Ça fait mal ou pas? Mais vous allez vous calmer, oui? Pourquoi ça veut pas exploser ça? Oh, le mec il se promenait tranquille avec son lance-roquette. Il était genre posé le gars quoi.
Dans le M2GG. C'est le M2 de GG. Ah, c'était pas des bidons explosifs, d'accord. Waouh, c'est quoi ce bordel? Je peux faire tout péter là? Bonjour, la Bat Company arrive, les gars. Rendez-vous tous ou ce sera la guerre. Oui, oui, la guerre. Pour ceux qui ont, reconnu, oui, j'ai honte. Me dis pas qu'ils sont là-dedans, encore les mecs, encore en vie, qui vont pop. Non, c'est bon. C'est bon. Par où je monte? Par là-bas. On a fait un bon petit nettoyage là. Ah bah tu t'en charges, fais ce que t'as à faire. Allez. Voilà, c'est fait. Mais... merde. Preston, je vais devoir rester ici pour maintenir le signal. Va falloir que tu changes de position pendant que je fais certains réglages. Et moi, j'en profite pour voir ce que je peux découvrir sur ce cher Aguayer. Oh ouais, Sangre de Toro. Enfin, je te tiens, mon joli petit navire fantôme. Je t'envoie les coordonnées tout de suite. Sauvegarde encore. Ok, il y en a marre de marcher. On va prendre ce véhicule. Donc on a laissé... ok. Sweetwater, on l'a laissé ici quoi. On continue notre aventure à 3. Eh ben ok, c'est parti. Ça c'était gratuit. Ça se contrôle bien ça. Où est-ce qu'on va, dans la cité fortifiée ou on va d'abord... Il y a plein de mines là, non? Au moins c'est délimité, hein. On sait que si on va sur la gauche, on va se faire péter sur une mine. Hein. Fallait prendre une petite bouteille d'eau, Redford. Ah bah, ouais, ici c'est un coin à se faire piéger. Un barrage. Genre le mec il a rien vu, j'ai bombardé. Il n'a strictement rien vu. Alors, il n'y a pas qu'un sniper. Hein. Il y a aussi un monsieur roquette. Je me suis pris la roquette en pleine poire. Je me suis pris la roquette en pleine face. Ça n'a pas dû faire du bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Calmez-vous. Bon, le sniper, tu tombes. Le monsieur roquette. Tu tombes aussi. Eh, le sniper! Arrête tes conneries! Oh 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 oh! Tu mourras pas derrière l'atoll là. Oh, c'est un impact ça? Où est-ce qu'il est? Ok. Il y en avait un autre. Je le sens pas trop cette histoire là. D'abord les montagnes, ensuite les snipers. Je le sens moyen ça. Profil bas. Ouais, profil bas. Tiens.
Toi, tu peux partir lécher tes chaussures. Maintenant, je pense que tu peux y arriver. Bien sûr, je le vois. Et lui, là-bas aussi, je le vois. Je suis sûr qu'il y a un gros traîtrasse ici aussi, là. Non ? Oh, toi, je t'ai senti arriver. Tiens. Tu diras bonjour à tous tes potos que je viens d'envoyer en enfer il y a quelques secondes. Boum. J'ai tout cassé, maman. Où est-ce qu'on va? Il y a une petite voiture. Attention, sniper! Merde, c'est qu'on va être sacrément à découvert. Si jamais quelqu'un nous voit... Continue comme ça. Alors attends. Je peux tout défoncer là. Allez, direction le phare. Je viens de me faire défoncer. Je pense pas que ce soit une bonne approche d'arriver en bagnole comme ça et de descendre en plein milieu de l'accueil là. Où ça? Je vais mourir. Bah bien sûr. Bien sûr. Attendez. Il y a un micmac là. Là, il y a un micmac. Il va falloir que je comprenne ce qui se passe. Est-ce qu'il y en a dans mon dos ou pas du tout? Est-ce qu'il y en a dans mon dos là? Il n'y en a pas dans mon dos. Ok. On va continuer à pied. Car cette fois-ci, j'ai pas envie de me faire descendre. Venga. Quoi ? Aïe! Pourquoi tu recharges maintenant, toi? Je peux voir la salle de contrôle. Si Sweet avait raison... Alors, si Sweet avait raison, je porterai un pull. Oh non, 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 je n'assume pas non plus cette blague. C'est même pas une blague. Non, mais qu'est-ce que je dis, quoi? Qu'est-ce que je raconte? Voilà, Redford, on va devoir te laisser là, c'est ça? Et je repars comme avec Haggard. Je sais que c'est un de ces boutons. Ceci. Celui-là. Celui-là. Ah, je savais bien que j'aurais dû faire des études. Ah. Je sais même pas utiliser un ordinateur. J'ai tapé dans mon ordinateur. Voilà. Ok, continuez sans moi, je me débrouille. J'ai mis un coup de pied dedans sans faire exprès. Et là c'est fini, c'est la fin des let's play sur PC. Oui, je veux bien. Moi je veux bien, mais non quoi. Petite voiture, on va pouvoir repartir. Vas-y, allez viens, garde.
On va se taper la dernière ville ensemble là. Allez, c'est parti mon gars. Ah, attends. Ah là, j'ai raté la caméra. Ah, ça va, la barrière, ça va, c'est pas grave. Waouh, qu'est-ce que tu fais là toi? C'est mon ancien véhicule. T'as vu comment je t'ai fait des infidélités? C'était Christine. Christine la voiture. Quelle roquette. Par où je descends là? Waouh! Calmez-vous! Waouh, waouh, waouh! Oh, je me casse de là! Voilà! Bon, j'ai pas buté tous les mecs hein, qui avaient des lance-roquettes, mais le cœur y est. Hein. Le cœur y est. Oh, je suis juste là pour aller terminer la mission. Non, ça craint pas en fait. Y'a rien qui craint. Ah, ben ça va, y'a rien qui craint. On va rentrer dans cette ville et on va tout défoncer. Alors, par où on y rentre? Par là? Bonjour. Comment ça, la porte, elle ne s'ouvre pas? Comment ça, la porte ne s'ouvre pas? Y'a pas une petite entrée? L'entrée, elle a été murée. Elle a été murée. On va devoir contourner. Viens, garde. On se casse de là. On peut pas rentrer par derrière. Voilà, on va pouvoir rentrer par là. Comme ça. Et on va finir à pied. J'aime bien cette mission. Franchement, je la kiffe. Ah, je t'ai raté? Je t'ai raté? Vraiment? Je t'ai vraiment raté là? Comment j'ai fait pour te rater? Ah, vous allez où vous les gars là? Je vous ai entendu arriver mais à 3000 quoi. À 3000 km. Non mais attendez. T'es qui toi? Aïe 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 caramba. Allez, ne laissez pas souffler. Il y en a un autre qui me tire dessus mais je ne le vois pas. Là je l'ai vu. Faire le plein. Voilà. J'ai gardé hein, mon petit lance-roquette pour tout à l'heure si jamais on a un petit hélico à descendre. Toi tu passes par là toi. Tu cours pas en plein milieu de la cour là. D'accord. Ok mon gars, ok. Je sais pas où est-ce qu'on va, à garde là, mais on y va sûrement quoi. Hop, la porte là. Ça ne se casse pas à coup de couteau ça. Alors cette cité stop. Me rappelle. On va se faire toucher. Ah merde, mince. Je disais que cette cité me rappelle la dernière série qui est sortie sur Amazon Prime sur la saga. Le Seigneur des Anneaux. Oh, je t'ai défoncé l'hélicoptère là. Je t'en ai mis une, je peux t'en mettre une deuxième avant que tu te casses ou pas?
Ouais, c'est bon. J'ai compris qu'on n'était pas copains, les mecs. Dites-moi pas qu'on est déjà à 30 minutes de vidéo et vous allez me ralentir dans ma... Allez, aide. Vous m'emmerdez, les types. Vous m'emmerdez sérieusement. Je ne vous vois pas. La greu-greu, merci. J'en ai descendu quelques-uns là, mais j'aime pas trop ce qui se passe là. Où sont les vilains? Waouh! Où ça? Ah, attendez. Il y a un mec là-bas qui me tire dessus. Je l'ai descendu. Oh, la sauvegarde en cours qui fait plaisir. Il y a quoi là-dedans? Il y a rien. Il y a strictement rien. On dirait des sortes de tombeaux. Ou des coffres de ville. Je sais pas si vous avez déjà vu ça dans ces vieux villages français là, où des fois en plein milieu de la place du village, un truc comme ça, il y a des sortes de coffres comme ça là, avec des couvercles. Si je meurs ici... La sauvegarde qui fait plaisir. Tiens, je vais tout défoncer là. Ouais, j'essaye. Non mon gars. Ça va pas le faire. Tiens, je te fais un petit encore saut de biche là. Oh, il y en a d'autres à droite là-haut. C'est quoi cette arnaque? C'est... Ok, c'est une grenade. Je prends cher. T'es pas encore mort toi? Je vais te sortir de ta cachette mon gars. Oh, tu te l'es pris en pleine poire. J'espère que ça t'a fait plaisir, parce que moi ça m'a fait très plaisir de te l'envoyer. Où ça? M'arrêter, je pourrais de mourir ici avec tout ce que j'ai tué là. Ça serait vraiment ridicule de crever ici. Hein. Ok, les mecs, c'est bon. Faites pas vos solitaires là-bas, on arrive, c'est bon. Pas prendre de risques, on va contourner comme ça. On va faire péter ça. Et bien alors, petit saut de biche, ça marche plus. Des munitions là? Non, pas de munitions.
Arrête de bugger, arrête de bugger. Oh, tu m'as fait peur, toi. Par où je peux monter ici? C'est bon, j'ai contourné, normalement il n'y a plus rien. Ah, ça y est, je bug. Il y a quoi en bas là? Ça sera pour nous échapper, ça, je pense. Ah, bien joué, Agar, t'es plus malin que moi. Tu dois avoir un meilleur QI parce que là, j'ai pas réussi à trouver. Tu vas crever, toi. Toi, tu vas crever. Raté. Toi, je vais te défoncer, l'ami. Je vais te défoncer et bien propre. Je sais pas ce que tu vas faire là, mais je vais te défoncer, mais correctement. Allez. Ah, oh, je vais pas me faire tuer par un hélico maintenant. Hein. Là, on est hors de question. Hein. Ah, je t'ai raté. Alors attends. Alors attends. Il me reste 4 requêtes là. Laisse-moi m'en sortir. Laisse-moi faire. J'en ai marre de ces conneries. On va faire la vidéo en 40 minutes à cause d'un foutu hélico qui m'emmerde. J'en ai marre de ces bêtises. J'ai plus de balles. J'ai plus de balles dans mon hélico. J'ai plus de balles. J'ai plus de balles dans mon lance-roquette. Arrête. Tu commences à m'énerver, mon gars. Sérieusement. Tiens, ça t'apprendra. Ah, ce combat là, c'était assez incroyable. Faire tourner ce cadre. Ça a marché. Je suis vraiment surpuissant. Hey, si jamais il m'arrive quelque chose, vous savez, je veux qu'on m'enterre près du stade des Cowboys, au Texas. Super. C'est pas marrant ça, Agard. C'est pas drôle. Sauvegarde en cours. Et on en a pas encore fini? Et je dois faire quoi maintenant? Faut que j'aille retourner, faut que je retourne voir. Je suis solo là. Et la vidéo n'est pas encore finie. Il y a des morceaux d'hélico. Enfin, je crois. Il y a personne là. Dites-moi qu'il y a personne. Bien joué, Marlowe. Triangulation réussie. Impeccable. Tu devrais voir le cargo sur ta carte maintenant. On doit rester près des antennes pour maintenir le signal, Marlowe. Bon, à toi de jouer, mec. Bon, les petits amis, ça fait la troisième tentative. Hein. Je me fais défoncer. Je vous laisserai mes morts à la fin. Hein. En fin de vidéo, je vous laisserai ça. Vous allez comprendre ce qui se passe. Je vais vous expliquer ça en temps réel si je ne remeurs pas. Mais c'est un enfer de vidéo, Je pensais pas que j'allais galérer autant.
Donc, cette fois-ci, il faut pas garer le véhicule juste en dessous de ça, parce que sinon, lorsqu'on fait péter ça, hop, les containers s'écrasent sur votre véhicule et puis vous vous retrouvez à pied. Et croyez-moi, le chemin qui suit, il est vachement long, et courir pendant un quart d'heure, 20 minutes, c'est pas ce qu'il faut faire. Hein. C'est pas ce qu'il faut faire. Alors autant j'adore hein, la liberté dans cette mission, autant là, faut pas se planter. Hein. Faut surtout pas se planter. Parce que le chemin est très très long. Hein. Sans véhicule, devoir courir en plein milieu du désert, là, dans le sable, tout ça, c'est un enfer. Hein. C'est un bordel monstrueux. Hein. Alors, est-ce que je peux passer par là? D'accord, il veut pas que je passe par là. Il veut pas. Il y a des mecs par là. Ils sont en quad. Ils savent que je suis en quad aussi. Et ça me tire à coup de lance-roquette. Je vois rien, je vois strictement rien, ça me gave. Ça me gave complet. Ok, je les ai vus, je suis pas encore mort. Ça sent pas bon ça. Ça sent pas bon du tout ça. Le mec il a un lance-roquette en plus hein. Il se fait plaisir hein. Je vais y aller, je vais tenter de le rusher. Non, ça me tire dessus, ça me canarde. Ça me canarde sévère. Je crois que je les ai tous butés là. Je crois que je les ai tous eus. Je vais tenter de m'approcher. Alors ça c'est un traquenard monstrueux. Hein. Alors qu'on voit pas, on a aucune visibilité là, c'est affreux. Hein. C'est affreux. Ah, dites-moi que c'est la fin du niveau, dites-moi que c'est la fin de la mission. Je n'en peux plus. Et voilà. Je me retrouvais dans un cargo soi-disant disparu, à chercher quelque chose qui aurait dû rester enfoui. Et voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Moi aussi. Je voulais rentrer. Et puis je l'ai trouvé. Et c'est là que tout a basculé. Elle s'appelait Cindy. Elle s'appelait Pamela. Qu'est-ce que c'est que ça? Une nouvelle voiture. Après Christine, je leur faisais des infidélités. Attendez, c'est quoi ça, ces conneries là? C'est pas encore terminé? Cette mission n'est pas encore finie? Qu'est-ce que c'est que ça? Ne me dites pas qu'on va avoir de la plateforme sur ce jeu. Ah ben si. Je ne le dis pas, mais si. Allez, saute Marlo, saute. Saute Preston. C'est de l'or? Est-ce que c'est de l'or? Voilà, fais péter ce sale cadenas là. Marlo, pourquoi tu dis rien? Réponds. C'est cette fameuse opération Aurore. Je crois qu'on a tapé dans le mille. Parfait. What? Mais c'est génial! Sergent, laissez-moi lui parler! Continue, Preston!
Ouais. Waouh. Apparemment, on savait que les Japonais possédaient la technologie scalaire dès 1943. L'opération Aurore, c'était une mission suicide. Et on a sacrifié tous ces soldats. Tous. Wyatt. Faraday. Wyatt? Ils savaient? Ouais. Ils avaient même estimé les pertes à l'avance. Ils voulaient sûrement vérifier les capacités de l'arme. Minute. Bon. Vérifiez ce code. Sierra, Foxtrot, 1079. C'est bien un préfixe militaire américain, mais je ne trouve rien du tout. Il y en a beaucoup? Difficile à dire. J'en vois qu'un. Prends-le, et ressors au plus vite. Ça craint vraiment. On retire tous nos agents de la zone. Bien reçu. Ok, les petits amis, je pense que ça va annoncer la fin de la vidéo. Oui, enfin, j'ai du montage à faire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans le prochain épisode. Je vous dis à plus. Salut à tous. Bye. Oh, je vois rien. Mais arrêtez! Comment ça me saoule, ça? Là, c'est déjà beaucoup plus rapide. C'est déjà...